Ouais, yo les gars, c'est Sagi, et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, je rentre tout juste de vacances, de 15 jours de vacances au Mexique, ça se voit, vous avez vu comme je suis noir et tout, ouais. Bon, bref. Et aujourd'hui les gars, je vous en parlerai dans une autre vidéo, le Mexique, etc. Je pense que je vais vous préparer une petite vidéo avec tout ce que j'ai fait, etc. Et je mets direct les points sur les i d'entrée parce que j'en avais parlé et j'ai déjà dit ce que j'en pensais par rapport sur Black Ops 3. Aujourd'hui, on va faire du marché noir et de l'unboxing. Alors, pour vous dire, on m'a filé les points. Alors là, ils ne sont pas fichés en haut, donc... Le malaise, il va falloir que, bon, tant pis, il y aura une petite coupure, mais en gros, on m'a, Activision m'a filé des points pour la promo qu'il y a, donc de, en gros, un ravitaillement rare coûte 100 points, donc ce qui est beaucoup moins, mais par contre, pour les clés de cryptage, apparemment, c'est toujours pareil, c'est un peu con, mais bon, voilà, vous savez très bien ce que je pense des ravitaillements, du marché noir, qu'il faut banquer, etc., même s'il y a des nouveaux trucs, on va en parler après, que j'avais pas vu, voilà, dans tous les cas, je resterai sur mon opinion, même si on me les offre, ça reste de l'arnaque, enfin, pour moi, c'est de l'arnaque, quoi, on te fait payer des trucs, enfin, bref. C'est un autre débat, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, on va pas en parler, etc. Donc là, on va se retrouver tout de suite, ben, je vais mettre mes points, du coup, ils sont pas mis. À de suite. Donc voilà, j'ai mes points et on va faire donc un défilé, un gros, je pense, je sais pas combien je peux avoir exactement de colis, mais on va faire un bel unboxing. Alors par contre, c'est vrai que j'ai pas vu ça, donc pour vous dire, j'avais pas fait la mise à jour depuis là. Donc apparemment, on peut avoir des armes, lot de largage de ravitaillement rare. Chacun garantit un objet rare avec non. C'est ça, pot de vin garantit au moins une arme de corps ou à distance, inclut des clés bonus. Ok, mais voilà, je veux dire, c'est ça qu'on attendait depuis le début, c'est ça qu'il devrait y avoir. La phare, voilà, ça commence direct. Donc ça, c'est la FAMAS apparemment. Mais voilà, ça fait plaisir. Mais c'est génial. Alors qu'est-ce qui se passe après? Putain, j'ai la FAMAS quoi. Genre. Ah mais en fait ça n'ouvre qu'un et... Ah d'accord. Ah bon. Ok. Bon. Eh bien ça commence bien avec une petite FAMAS. Donc c'est vrai que j'avais pas vu ce système là vu que j'avais pas joué même à Call of depuis tout ce temps. J'avais joué sur Overwatch. Call of m'avait pas mal saoulé. Mais bref, ça c'est un autre débat. Donc là ça fait plaisir. On va faire vraiment un gros. Je sais même plus faire des commentaires. Désolé. Désolé. Je pense que vous pouvez le comprendre au bout de 15 jours. Franchement, ça c'est pas nouveau, je crois. Voilà, c'est assez compliqué de reprendre mes commentaires. D'ailleurs, c'est l'une des dernières fois que vous allez entendre ce micro de merde. Car oui, il y a eu beaucoup de plaintes. J'ai fait plein de choses pour arranger tout ça, mais ça s'est jamais réellement fait. J'ai changé de casque, mais finalement le casque ça vous plaisait pas. Du coup, il y avait ça. Donc j'ai dit merde. Je me suis acheté le MX comme ça, sans pression, en rentrant des vacances. Normalement, je le reçois cette semaine. Donc voilà, c'est la dernière fois que vous aurez ce petit micro dégueulasse. Bref. Bon, pour le moment, je déballe, mais il se passe rien. Bon, je suis quand même content d'avoir eu la FAMAS, mais bon, je me dis d'un côté, c'était obligé que je l'ai, vu que c'était. Donc les pots de vin, t'es garanti d'avoir une arme, quoi. Mais j'ai pas regardé après. Je crois qu'il faut faire des défis, etc. Je crois que c'est que si t'as le Season Pass que t'as accès à ça. Enfin bref, on verra. Mais en tout cas, je sais pas du tout les nouvelles armes qu'il y a. C'est vrai que je ne sais pas. Oh, sympa! Je sais qu'il y avait la FAMAS, il y avait une hache que j'avais prédit dans une vidéo. D'ailleurs, vous me l'avez dit sur Twitter, il y a certains qui m'ont envoyé une photo. Putain, tu l'avais prédit. Et oui, je l'avais prédit, les gars. Et il y avait il y a d'autres trucs, je sais plus exactement. C'est vrai que j'ai toujours pas le sniper. Ça fait un peu chier, j'aimerais bien l'avoir. Même si, bon, le sniper est pas si ouf que ça. Mais c'est quand même un sniper à verrou quand même qui fait plaisir. Putain, je suis gavé un point de... Tu sais, genre un panneau, attention, tu sais, genre en mode... attention, il y a eu un bug, vous ne saurez jamais ce qu'il y a eu. Vous êtes fait baiser tant de points. Putain, hey, t'as un couteau comme ça sur CS, t'es riche. Tu te fais 400 balles d'un coup. Putain, bien, le camouflage soleil est vraiment très très classe. Ouais, sur CS, quand tu as un couteau comme ça... Oulala, parce que tu peux revendre tes armes, hein, et tu peux te faire du blé de ouf. Hein. Bon. Bon, pour le moment, rien de fifou, sinon... J'ai pas eu non plus de nouvelle apparence, il me semble. Bon, je commence un peu à paniquer là. Ah si, oh là là, le crabe, ah putain, sympa. Bon, c'est avec le prophète, je m'en sers pas réellement. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà bien, ça fait des nouvelles... Ah, bien, le fa... Oh, putain, le... Je ne sais plus parler, allô, je bégaye, qu'est-ce qui se passe? Putain, ça va être dur à reprendre la vidéo. Le camouflage... Scandaleux. Le camouflage, j'aime. J'aime, je sais plus comment on dit, ouais, sur la Pharo. C'est un des plus beaux camouflages, vraiment, sur ce Black Ops, je trouve. Donc, ça fait plaisir, parce que la Pharo, j'aime bien. J'y joue. Donc, ça fait plaisir. Bon, allez. Ah, ça fait quand même plaisir de voir, quand même, le... Enfin, bon, même si c'est... Honnêtement, voilà, je trouve... Enfin, c'est pas moi qui les aurais achetés, mais bon,
Ça fait 100 points de moins, donc ça fait un peu moins de thunes, donc tu peux ouvrir le double de ce que tu pourrais avoir. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est trop dur à parler en vrai. Mais bon, hein, marché noir, j'en penserai toujours la même chose. Je comprends pas qu'ils aient pas fait ce pot de vin dès le début, tu sais, d'avoir, si t'as le season pass, genre, t'as un pot de vin tous les 3 jours, un truc, enfin non, peut-être pas, serait abusé, mais tous les mois, au moins, t'as un truc, ou je ne sais pas, tu te démerdes à trouver un truc du genre, t'es une arme assurée, quoi. Surtout quand t'as le season pass, bordel, sans déconner, quoi. On a aucun avantage avec ce season pass, bref, on va pas cracher sur Call of, mais bon, voilà. C'est vraiment le truc qui me... Ça me répugne. Putain, le camouflage soleil, il tombe, hein, sur la VMP. Non, j'aimerais bien avoir des nouvelles armes. Vraiment, ça serait cool. Même la mitraillette, là, celle de World at War. Putain, la MP44, c'est ça? J'ai peur de dire une bêtise. On verra bien. Camouflage rituel. Ah, sur l'Ocus, ça, c'est cool. Voilà. Ça fait plaisir. Allez. Oh, putain, le camouflage sur le bazooka. Mais qui s'en branle, lève la main? Ah. Quoi? Putain, décidément, les camouflages locus, bon, c'est pas le meilleur, mais bon. Là, l'interdiction RSA. Oh, enfin. Oh, putain. Oh, le soulagement. Enfin. Je me sentais... Bon, j'ai pas fait un genou avec le mot interdiction, mais je me sentais tellement... Tellement frustré de pas l'avoir. Mais putain, je l'ai. Oui. Ah, merci. Merci, ça fait plaisir. Je vais pouvoir m'amuser. Ah, la vache. Ah, je suis content. Le FAMAS et l'interdiction. Enfin, le sniper. Donc ça, c'est vraiment parfait. C'est les armes vraiment que je voulais. Bon, après, il y a le sable de bord de la tour que je vous avais dit. C'est vraiment que ça qui m'intéresse, quoi, honnêtement. Bon, après, c'est vrai que la première arme du... La première arme qui est apparue, là, l'arme de World at War aussi. Celle qui tire par coup. Enfin, 3 balles ou un truc comme ça. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est l'une des premières armes variantes qu'on pouvait avoir. Qui est vraiment très très sympa aussi. Mais bon, les vieilles quand même. Même si ça ferait quand même très plaisir de l'avoir. Putain, quoi, je suis content. Ah là, je m'en branle. Franchement, au final, d'un côté, je me dis, j'ai vraiment eu ce que je voulais, quoi. J'ai eu mon sniper, basta. Mais bon, autant continuer, autant continuer. Autant continuer. Ah, mon cœur, quand je te jure, il s'est relâché d'une pression. Ah, c'est ça qui m'avait refroidi à Call of, c'est que j'avais pas eu ce nouveau sniper. Génial, j'ai Power Ranger là. J'avais pas eu ce sniper, ça m'avait tellement frustré. Et j'avais pas joué depuis un moment, mais Black Ops, j'avais pas touché depuis un moment. Et ça m'a. Enfin, en partie parce que j'avais pas sniper, ça m'avait vraiment frustré quoi. Je me sentais vraiment mal à l'intérieur de moi. Oh putain. Oh le soulagement quoi. Fou. Allez, c'est pas tout, mais c'est pas fini, on voit autre chose. Le gars qui change d'avis tout le temps. Ah bah ça suffit, ah bah non j'aimerais bien voir ça. Sans quand on a quand on en a. Enfin, quand on te donne ça, tu veux ça. Tu peux admirer mes gros bras. Putain. Allez là. Parce qu'au final c'est comme si on avait gagné qu'une seule arme, parce que l'autre on était assuré de la gagner quoi. J'ai pas vu combien de points il me restait là, je défile comme ça, parce que bon je veux dire on a pas Je pense que ça c'est chiant de regarder une vidéo qui dure 20 minutes juste où tu fais que ouvrir. Donc il me reste 8 caisses à ouvrir. 8 caisses. C'est vrai que j'ai défilé comme ça. C'est mieux, je pense, pour les yeux. Enfin, même pour les gens qui regardent, t'as pas 30 minutes à perdre à chaque fois. Même, autant cette vidéo va faire 30 minutes, donc je dis rien, mais... Allez. Allez, allez. Moi, je veux un truc super swaggy dop. Parce que c'est vrai que les mouvements de fin, je m'en fous un peu. Je regarde même pas du tout ce que j'ai, quoi. Tu vois, c'est... Ah, les 4 dernières. Putain, heureusement qu'il y a cette promo parce que sinon là c'était fini déjà. Et autant j'aurais pas eu ce sniper. Et je crois que c'est jusqu'à mardi. Je sais pas si je l'ai dit, jusqu'à mardi. Il me semble qu'il y a cette offre. Donc voilà, je vous encourage pas à dépenser votre thune. Je vous le dis. Ah là là, putain, les derniers sont pas top top. Allez, la dernière, après on va détruire des. Oh putain, oui! La NX Shadow Glow! L'arbalète. Je meurs. C'est l'émotion. Putain, j'arrivais même pas. Je voulais un peu crier et non. Et ma voix n'est plus habituée à crier. J'étais en vacances, j'étais détendu. Ah putain, cette arbalète faisait plaisir. Putain, enfin, fait plaisir. Enfin, elle faisait parce que je l'ai testé sur le compte à ma copine Lucille. Et ben voilà, j'ai joué 2-3 fois et puis basta. Mais là, ça fait plaisir de l'avoir sur son compte. Putain, c'est trop cool.
Pardon. Donc les destroyers de doublons. Oh putain, oui. Et c'est con, pourquoi ne pas mettre les clés de cryptage, ce qui est à la portée de tout le monde, à moitié prix? Pourquoi? C'est dégueulasse. Ça aurait pu les faire à 15, t'imagines? À 15 les rares, mais tout le monde aurait été content. Tout le monde, parce que là c'est tout le monde qui peut en profiter des clés de cryptage, même si bon, c'est très dur à en avoir, je sais pas si ça a changé depuis, mais je pense que ça l'est toujours. Mais pourquoi? Ça aurait été la chose la plus logique à faire même, je trouve. Ouais, 30, hein, c'est bien ça. Hein. C'était à 30 avant, je crois que j'ai pas rêvé. Hein. Bon, bref. Hop! Je l'ai déjà. Fait chier. Razorback violet, yes. Bon, champ des fureurs, je l'ai déjà. Bon, c'est pas grave. Ah, la Ken, glace, je l'avais déjà. Le mec s'enflamme, mais non, mais je crois que je l'avais déjà. Parce que j'y joue pas mal aussi à la Ken, j'aime beaucoup. On sait bien, on va pouvoir encore voir quelques petites caisses, quoi. Par contre, il perd vraiment dans des délires chelous. Bon, c'est pas pire que Advanced Warfare, mais bon. Par contre, tu vois, quand j'ai des... Quand tu faisais rare et que t'as deux standards et un rare et que le c'est juste un mouvement au final, franchement, putain. Bref. Ça, j'avais déjà. Bon, finalement, grosse ouverture quand même. Hein. Putain, trois armes, putain, et trois bonnes armes. Et vraiment, pas de variant de couteau, ça fait plaisir. Même si une variant de couteau ferait pas de mal, hein, je dis pas non. Mais voilà, ça fait plaisir, putain. Je suis trop content. Allez. C'est dommage qu'on puisse pas. Il me semble qu'on peut pas avoir des camouflages sur les armes du marché noir, quoi. Genre sur le sniper, je crois que t'as que le camouflage de base, quoi. Genre l'or, tout ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça serait classe, tu sais. Oh, ça serait énorme. Je pense au camouflage de gemme sur l'interdiction. Waouh. Bon allez, tu me donnes là des trucs. Non mais oh, ça suffit là. Ah dommage, je l'ai déjà. Lui il est énorme, hein. Vraiment le. J'aime pas trop ce. Enfin j'aime bien quand même un peu d'apparence, c'est quand même sympa, on va pas se le cacher, c'est pas comme les animations, mais. J'allais faire. J'arrête là. Oh mon dieu, ça se voit longtemps. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai rien fait. Ce casque Illuminati est vraiment cool pour le spectre. Enfin, j'utilise bien le spectre et plutôt le casque Illuminati. Vraiment, trop swag. Il fait très peur celui-là. Il fait très peur. Je crois qu'il est nouveau lui. Allez. Ah, putain, mais des casques comme ça, j'en veux pas. Oh là là. Oh, il sort du futur lui. Même s'il me semble qu'il me dit quelque chose. Allez, il me pose lui, putain. J'ai pas regardé pour qui c'était, mais bon. Voilà, je préfère des colis comme ça, même s'il n'y a rien qui m'intéresse, c'est quand même un peu plus valorisant, quoi. C'est un peu plus. Ah, bon, ça, on me donne des trucs, quoi. Ça fait pas 2-3 fois que je l'ai là, le monochrome, comme ça, sur le. Peut-être c'était pas la même arme, je sais pas. Il me semblait. Voilà, encore un colis qu'on apprécie. C'est vrai qu'on nous donne des clés de cryptage en plus, hein, parce que. Attention le coup de gueule, hein. Crédibilité 0. Allez, putain! Donne-moi un truc là. Oh là là, la batteuse! On s'en branle! Ah, c'est quoi ça, non? Une variante. Ah, j'ai plus de clé de cryptage. Ah putain, c'est dommage. Ouais, j'en ai encore 100. C'est dommage, franchement, qu'il soit pas à moitié prix, les cryptages. C'est pas logique, mais pas logique. Quand tu vois qu'il. Il leur manque vraiment un petit grain. Un petit. Non, je suis gentil. Mais il leur manque vraiment un petit truc, hein, à la tête par moment, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas grave. Allez, là, pour les dernières. Tu peux me filer une autre arme, quand même. Une autre arme. Allez. S'il te plaît. Variante locus silencieux. Ah, il me semble que je l'avais. Ouais, dragon violet. Oh, putain, c'est tête du futur. Ah, c'est sur Reaper. Eh ben, dis donc. Il y a vraiment des têtes qui font peur. Hein. Je crois que j'arrive sur le multi, je vais jouer, je vais faire. Ouh, c'est quoi ça? Ne me touche pas. Je vais voir des gars un peu chelous. Ah, si je peux encore en ouvrir une. On va gratter les clés en double après le cryptage. Détruire les doublons. Allez, on peut encore en ouvrir une. Hop, détruire. Oh non, mais qu'est-ce que je fais moi, putain. Ouvrir une rare. Allez, là, c'est la dernière, autant. Allez, fais-moi kiffer.
Ah non. Bon, B8. Est-ce que je peux détruire un petit doublon? Ah! Oh, le gars qui gratte! Je pense qu'on est tous pareils, on gratte. C'est genre, moi je me rappelle avant, j'économisais les points. Et putain, je grattais à mort. Ah merde, j'ai pas assez quand même. Je grattais à mort à chaque fois de détruire les doublons et tout. Allez. J'étais trop chaud quoi. Ouais. Ah, dommage, j'avais pas eu la troisième. Dommage. Oh, tant qu'en faire, tant qu'à avoir de la merde. Bon. Et ben voilà. Il me reste une clé de cryptage. 8, 9. Non, ça signifierait pas. Il m'a manqué putain une clé de cryptage, c'est tout. Bon. Eh ben, bien sympa. Donc bon, j'ai pas eu trop d'armes, mais bon, j'ai quand même eu le FAMAS. J'ai quand même eu le sniper. Et j'ai quand même eu l'arbalète. Je suis très très content. Je ne vais pas me plaindre. Très content. Voilà, donc du gameplay, bien sûr, cette semaine avec ces nouvelles armes. Ça va faire plaisir. Pour se mettre à Call of petit à petit avec des nouvelles armes, il n'y a rien de mieux pour prendre du plaisir. Et donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et je vous dis donc du coup à très bientôt. Maintenant le rythme des vidéos va reprendre vu que je suis de retour. Même si je reprends le boulot à côté, mais bon c'est pas grave, c'est la reprise aussi des vidéos. Et sur ce, je vous laisse, je vous smoke tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.